Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la date des jours, comme tous les jours. Donc hier, nous étions lundi. D'accord? C'était hier, c'était notre journée d'hier. Et aujourd'hui, donc nous sommes mardi jaune. On se souvient, le jaune, c'est le mardi, deuxième jour de la semaine. Alors je vais l'écrire, comme je n'ai pas de feutre jaune, ben, je vais utiliser le vert. Alors, mardi. Pour écrire mardi, on a besoin du M. Pardon. Du A. Du R. Du D. Et du I. Et nous sommes le 31e jour du mois de mars. M, A, R et S. Voilà, mardi 31 mars. Alors, en script, M, A, R, D, I. Mardi 31 mars. M, A, R et S. Et aujourd'hui, on peut dire que le temps est plutôt très nuageux, voire pluvieux. Donc, on va faire la pluie. La pluie, on voit bien, on fait des traits verticaux qui partent d'en haut et qui descendent. D'en haut et qui descendent. D'en haut et qui descendent. Vous voyez? Donc, c'est pareil, quand on écrit les lettres qui sont en verticale, on commence toujours du haut vers le bas. Le I, même si on fait un R par exemple, je descends, je pars d'en haut et je descends, et après je continue ma lettre, d'accord? Donc toutes les lettres qu'on commence à écrire pour apprendre ce geste-là sont le I, le L, le T, toutes les lettres en traits, qui ont des traits verticaux et horizontaux. D'accord? Voilà, ce sont les premières lettres qu'on étudie pour écrire, pour bien travailler le geste du haut vers le bas et après de gauche vers la droite. Voilà, ça c'est le sens de l'écriture. Donc je vous mettrai des petites fiches avec le fléchage. Dans quel sens on doit faire pour l'écriture? C'est très important pour la suite après et pour la rapidité et le travail du poignet. Voilà! Bonne journée et à plus tard pour d'autres vidéos.